Si vous aimez la moutarde, il faut absolument lire ceci. Bien que connue comme condiment, la moutarde est en réalité une plante. Ses feuilles et ses graines sont tous deux comestibles, et sont généralement utilisées en cuisine pour préparer des sauces. Or, la moutarde ne possède pas que des qualités culinaires. Cette plante est aussi très prisée pour ses vertus thérapeutiques et cosmétiques. Découvrez les différentes utilisations de la moutarde. Ingrédient indispensable dans les salades et bien d'autres préparations culinaires, la moutarde est une plante aux multiples vertus. Elle fait partie de la famille des crucifères comme le brocoli et le chou-fleur et se présente sous différentes formes, notamment la moutarde blanche, la moutarde noire et la moutarde brune. Riche en nutriments notamment en vitamine A, C et K, en folate, en manganèse, en calcium, en vitamine E, en sélénium ainsi qu'en fer, cette plante présente plusieurs bienfaits pour la santé. Cet ingrédient renferme beaucoup d'antioxydants qui limitent les dommages causés par les radicaux libres et préviennent ainsi plusieurs problèmes de santé dont le cancer. La moutarde est très efficace pour faciliter la digestion et lutter contre les ballonnements et les inconforts digestifs. En effet, cet ingrédient stimule la production des sucs gastriques et de la salive et réduit la fermentation des aliments grâce au pouvoir antiseptique de ses composés soufrés. La moutarde est aussi très utilisée pour son effet réchauffant. En plus de réduire les frissons, elle permet aussi de réchauffer les mains et les pieds. Les graines de moutarde surtout contiennent une huile qui stimule la circulation sanguine, ce qui engendre un flux de chaleur à travers tout l'organisme. Voici d'autres bienfaits et utilisations de la moutarde. 1. Pour soulager les douleurs et crampes musculaires. Grâce à son effet antalgique, antidouleur et réchauffant, la moutarde peut aider à soulager les douleurs, les crampes ainsi que les raideurs musculaires. En effet, cet ingrédient génère une chaleur, ce qui permet de réduire les inflammations. D'ailleurs, les athlètes ne jurent que par la moutarde pour relaxer leurs muscles. Préparez une infusion de moutarde en mélangeant une cuillère à café de graines de moutarde et une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser quelques minutes, puis imbibez un tissu de ce mélange et appliquez-le sur la zone à traiter. Vous pouvez également opter pour un bain à la moutarde. Il existe de la moutarde spéciale pour les bains, mais vous pouvez aussi opter pour celle conventionnelle et ajouter un peu de sel d'Epsom, également réputée pour son effet relaxant sur les muscles. Une autre option est de préparer un cataplasme à base de farine de moutarde, de faine de blé et d'eau tiède. Placez une gaze sur la partie douloureuse, puis étalez votre pâte et laissez agir pendant quelques minutes. 2. Pour stimuler la pousse de cheveux, la moutarde, ou plus précisément l'huile de moutarde, peut vous aider à prendre soin de vos cheveux. En effet, riche en nutriments, zinc, oméga 3, vitamine A et E, cette huile possède un effet gainant et était utilisée depuis des siècles pour les soins capillaires. Elle est aussi efficace pour stopper la chute de cheveux et stimuler leur repousse, car elle permet de stimuler la circulation sanguine. Mélangez l'huile de moutarde à une huile végétale comme l'huile de coco ou de ricin et faites un bain d'huile ou massez-vous le cuir chevelu avec, avant de laver vos cheveux comme d'habitude. 3. Pour soulager les rhumes. Riche en nutriments, la moutarde est excellente pour lutter contre les rhumes et les bronchites. Elle renferme également de la sinigrine et de la myrosine, lesquelles fluidifient les mucus et favorisent son élimination. De plus, la chaleur qu'elle engendre peut aider à décongestionner les voies aériennes. Préparez un cataplasme en mélangeant un peu de farine de moutarde avec un peu d'eau tiède pour avoir une sorte de pâte.
Ensuite, mettez une gaze sur la poitrine et versez dessus le mélange et couvrez d'une autre gaze. Laissez agir pendant 10 minutes. Ce remède est également efficace pour apaiser les quintes de toux. 4. Pour éliminer les mauvaises odeurs. Pour vous débarrasser des mauvaises odeurs dans votre maison, faites appel à la moutarde. En effet, cet ingrédient est efficace pour lutter contre l'odeur du moisi dans les placards et les meubles en bois notamment. Remplissez une coupelle de farine de moutarde et placez-la dans les endroits que vous voulez assainir.